Eh bien bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui je vais vous montrer les récoltes de graines. On embauche par les fèves, je vais vous montrer. Et là on est rendu dans le jardin que je vous montrerai tout à l'heure, les petits pois. La première flotte de semences est mûre, les autres il faut attendre. Je vais vous montrer un peu quelques bricoles, les astuces. Alors je voulais vous montrer aussi la récolte des fèves. Alors là, elles sont pas toutes bonnes. Bon, celles-là serviront pour le couvert là parce que elles ressemblent pas du tout à la Guadeloupe. Et celle qui m'intéresse moi, c'est celles qui ont les belles gousses allongées. Et là, vous voyez, elles sont noires. Celle-là, elle est juste à point. Celle-là, je vais attendre encore un petit peu parce que vous voyez, elle a du vert et les grains sont pas trop mûrs. Mais après, vous pouvez cueillir ça tout simplement en tirant dessus. Et je vais vous en ouvrir une. Alors voilà ce que ça donne là, vous voyez. Le grain, ces petits machins là qui font voir que la rupture d'alimentation est faite. On voit que le grain, il a juste à perdre de l'humidité. Mais là, en fait, c'est le petit machin jaune. C'est ce qui alimente la graine pour qu'elle soit, pour qu'elle finisse de mûrir. Et là, on voit que quand la gousse est totalement noire comme ça là, La rupture d'alimentation est bien faite. Alors dans le coup, ça, je vais le mettre dans un... Vous voyez les sacs en filet de pommes où on achète les pommes de terre de semences. Ils sont ajourés. Je vais mettre ça là suspendu sur une poutre dans une grange pour que ça finisse de sécher. Et je pense que pas avant le mois d'octobre, on égoussera les cosses après. C'est bon, ça sert à rien de dégousser à l'avance. Et mieux c'est sec, mieux ça se conservera. Bon, ça y est, la récolte est effectuée. Et là, il y a une cagouille qui avait machiné un peu la bogue. Et ce qui est marrant, bah, c'est que la fève est déjà germée dans la gousse. Alors, il y en a même une deuxième qui, je vois qu'il y a un premier germe. Bon, moi ça fait un test de germination sur place. Bon, je vais le mettre dans mon petit mix de plantes que j'ai mis après l'ail. Et bon, tant pis, hein, c'est peut-être un peu tôt, mais ça aura au moins la capacité de pousser. Après, je pense pas qu'on puisse en faire quelque chose. À cette saison, c'est un peu tôt. We'll be right back.
Bon, là sur les petits provençals, on pourrait croire que c'est mûr, mais là vous voyez, c'est encore vert. Et les fans, vous voyez que les tiges là sont vertes. Et après pour les autres petits pois, là on pourrait croire que c'est mûr. Mais il manque un petit peu. La tige n'est pas encore sèche. Là on va aller voir. Regardez, cette cosse elle est verte. Il reste encore quelques semaines. Parce que même avec la chaleur, ça va mûrir assez vite quand même. Là on voit celui-là, ça y est, là. La tige est assez sèche. Mais c'est quand même moite. Et ça veut pas s'ouvrir. Là. Vous voyez, la graine n'a pas pris sa teinte jaunâtre. Elle est encore verte. On va les comparer avec ceux qui sont mûrs. Bon, là, on est rendu sur la plate-bande. On voit bien qu'ils sont... Quand la tige est sèche, voilà, là vous voyez, moi les grains c'est des pois jaunes, alors ils sont bien secs. Pour pas se faire avoir, faut attendre que la plante, là vous voyez, la tige est totalement sèche, et dans le coup, l'écosse, en plus regardez, c'est aussi un point de repère. C'est quand ça s'égrène facilement. Là pourtant on est 6h40 du matin. Mais vous voyez, là j'ai pas besoin de forcer. Tout à l'heure j'ai galéré. Là ça marche bien. Et ce que je fais moi, là je vais ramasser les fans. Et après je vais les égrener la méthode du pied. Tout simplement au sol. Piétiner, ça éclate les gousses et après je passe dans un tamis ou dans un baquet pour enlever les gousses après. C'est une méthode rapide et on se fatigue moins. Ça, vous pouvez ramasser gousse par gousse aussi si vous voulez, mais ça prend un peu plus de temps.